Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale Pack Opening avec de la vibration, encore de la vibration, on veut beaucoup de vibration, on veut beaucoup de coffres légendaires aussi. C'est nos coffres préférés, les super magiques, les légendaires, c'est vraiment les deux gros coffres que j'adore. Pour participer, vous aussi, eh ben, c'est pas compliqué, il faut être abonné à la chaîne, mettre un like, un petit commentaire le moment où vous êtes le plus vibré, et bien sûr, m'envoyer par mail un screenshot de vos coffres et que vous fassiez l'enregistrement avec des applications du type Airshow, du type Display Recorder, du Pix, ce que vous voulez. Bref, je peux vous expliquer ça en mail si vous galérez un petit peu. Voilà, alors aujourd'hui on a différentes petites choses, donc je vous laisse découvrir tout ça bien gentiment. Moi, vous voyez que je suis un petit peu à sec là, donc je remettrai des j'aime et puis on se fera ça aussi sur mon compte. A tout de suite. Alors on a TDS YouTube qui nous envoie son magnifique pack opening avec plein de beaux coffres. Alors on attend de voir ça, voir ce que ça donne. Allez, il est Titi avec un petit coffre en bois sans prétention. Peut-être un deuxième, oui. Un deuxième. De l'or, de l'extracteur, des barbares d'élite. Rien de transcendant pour l'instant. Enfin, je suis sympathique quoi, mais voilà. Alors le coffre en or, 4 gemmes. Les gargouilles c'est bien, les gobelins aussi, la sarbacane c'était bien, la valkyrie, l'arc-x en carte épique, c'est bien joué. Il y a du coffre géant, alors 3 cartes, la fournaise c'est pas mal, le bélier de combat c'est bien aussi, et le gang des gobelins, il faut le monter, c'est une bonne carte. Le coffre épique, épique, il est magique plutôt, avec des gobelins, des gangs de gobelins, c'est la foire aux gobelins ici, chevaucheur de cochon, la méga gargouille qui fait plaisir, les barbares, peut-être des épiques ici, non, ça sera encore des rares, le sorcier qui est pas mal, et enfin 4 armées de squelettes, ce qui est une bonne carte épique. Alors, le coffre magique, que contient-il? De l'or, mais aussi des gangs de gobelins. Des barbares, c'est bien, ils vont passer les vols 11 bientôt. Le gobelin lance, bah, il est déjà bien, il y en a suffisamment. Le cochon, il en faut beaucoup plus. Ah, les épiques arrivent. Mais je crois qu'il manque des rares. Voilà, les voici. Avec 14 TDE et enfin 3 arc-x. Bon, bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour l'instant. On n'a pas vibré sur de la légendaire. On l'espère l'avoir dans ce coffre super magique qui contient pas mal d'or. Et déjà une épique, l'armée de squelettes, ainsi que 5 sorts de gel. Des cabanes de barbares, c'est mignon. Les béliers de combat, on a l'air pas mal pour les rares. Les communes aussi, ça sent la légendaire. Oh, 15 baby dragons, ça c'est pas mal. Presque level 5, la légendaire, le suspense. Et c'est un molosse qui passe level 2, il s'en sort pas mal, GG à toi, mon ami de chez Nova All-Star, TDS. Alors on a Partout Cake qui nous envoie ses coffres sympathiques, son petit record, il est magnifique son petit record, on l'espère, enfin en fait, j'ai vu les coffres, donc voilà, j'ai vu, mais enfin je vous dis pas plus, Et donc, là, il nous montre son clan, donc Deadwalking, bienvenue dans Deadwalking, machin, il veut sa petite pub, c'est normal. Bonjour à eux, bienvenue, et donc voilà, donc on attend juste que, que ça commence. Voilà, c'est parti, il en commence avec un coffre de clan, on espère, ou avec du gobelin, un sarbacane débloqué, mais aussi du cochon, mais aussi du gang de gobelins, mais aussi du sorcier, c'est pas mal, y a-t-il... Ah, et pff, alors s'il veut jouer GR, bah il est servi. Et enfin, 2 géants squelettes. Ok, d'accord. Le petit troll d'entrée de jeu. Il nous ouvre également apparemment un coffre de défi. Non, super défi. 3 victoires. Ça peut... Il peut y avoir des bonnes surprises dans un coffre de défi. 3 victoires. Pour l'instant, rien de particulier. La boule de œuf. Et enfin, le mirror. Qui fait plaise. Voili, voilou. Le petit coffre de tournoi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pas gros. Oulala, il est faible. Hein, il est très faible. Si on y va une par une. Une carte de chaque. Voilà, 4 cartes dans ce coffre. C'est pas oufissime. Les coffres gratuits. Alors, il y a du bois d'abord. Hein, donc, il commence par le bois. Ok. Rien de space. Voyons voir de l'or. Les gemmes. Ouais. Le gang de gobelins qu'on aime bien. Ok, des gemmes encore, le golem de glace un seul, le géant royal il est servi, je pense qu'il a une méta géant royal dans son compte lui, hein. C'est son compte qui est méga géant royal, hein. Voilà le reste sans conviction, alors après effectivement il y a du coffre magique,
Alors moi j'aurais commencé par l'épique perso, mais bon, je préfère le magique. Alors, boule de œuf. Ouais, pas assez. Ah là là, les épiques sont là, elle est rare aussi maintenant. Donc il manque des épiques. Et ça sera deux gardes. Bien joué. Malgré tout, les gardes c'est pas mal. Bon, l'Arc-X aussi, on a eu pas mal des Arc-X en ce moment. Géant Royal encore, il est servi, il est abonné, il a un abonnement au Géant Royal. Et il a pas assez de communes, pas assez de rares non plus. Il n'y aura pas de légendaire, je vous l'annonce, dans ce coffre. Boule de feu, et ce sera 3 PK, ça c'est pas mal, il a que niveau 1. Donc imaginez comment il se met bien, ce garçon. Et les épiques, ah oui, c'est vrai que pour lui, vu qu'il a pas beaucoup d'épiques, c'est un bon coffre pour lui. Enfin, un coffre épique, c'est un bon coffre. Une sorcière Osef, une tornade, c'est bien. 3 golems, c'est très bien. Et il faut que tu le montes, mon ami, je vois que tu l'as pas monté. Et enfin, 12 PK, bah là, voilà, là t'es servi en PK aussi. Donc je vais pouvoir faire un deck PKGR. Enfin, l'émotion peut-être sur ce coffre légendaire. Oui, la bûche est débloquée. C'est une très très bonne légendaire. GG à toi. Il y a de très beaux coffres, Suprême GH. On espère pour lui que la chance a été avec lui dans Crystal Salson, qu'on salue, son clan. Voilà, a priori, ben, on est parti pour des belles choses, on l'espère. Alors, il nous envoie sur un coffre de défi. Petit, apparemment, esprit de feu. C'est un coffre de défi ou c'est un coffre de tournoi? Ça, on dirait un coffre de tournoi plutôt, je me suis peut-être trompé. Ouais, on va voir ça. Oui, effectivement, c'était un coffre de tournoi. Mais il a aussi un coffre de défi classique à 12 victoires. Alors, est-ce que ça rapporte pas mal? 2000 d'or. Ouais. Pour l'instant, ouais, c'est pas un coffre ouf, hein, ça, quand même. C'est... Au niveau de l'or, c'est bien. Ah, peut-être une surprise. Et non, ça sera un troll avec des communes. Le ballon était pas mal. Et puis le gang de gobelins se laisse manger. Il y a un coffre en bois, n'est-ce pas? Voilà, c'est très sympathique, le petit coffre en bois avec des gemmes. Voilà, il est mignon tout plein, ce petit coffre en bois. Il y a un petit coffre en bois. Ok, très bien. Il y a un petit coffre en or. Ouais, bon. Il faudrait voir 6 cartes peut-être. Si on voyait 6 cartes, peut-être qu'on aurait vibré. Et une petite épique qui se laisse manger. Ah, il nous envoie sur un coffre de clan. Alors, que donne-t-il son coffre de clan? Il donne 6 cartes. Mais oh là là, il n'y a pas beaucoup, hein. 8 ici. 104 sur les communes. 18 rares les mousquetaires. C'est pas mal, hein. Bon, le canon, pas mal non plus. Et enfin, 3 miroirs. C'est pas l'épique qu'on aurait préféré. Mais bon, voilà. Mais bon, c'est bien aussi. Alors, il a du coffre géant, je lui souhaite du gobelin sarbacane par exemple, esprit de glace c'est bien aussi, gang de gobelins c'est très bien. Et donc il aura du gobelin sarbacane, voilà, je lui ai souhaité, il l'a eu, mais j'aime bien le gobelin sarbacane. Et vous, qu'en pensez-vous du gobelin sarbacane? Il a un coffre magique avec 12 gangs de gobelins encore, c'est la foire aux gangs de gobelins, le bélier de combat, mousquetaire c'est bien, les cartes sont pas mauvaises, Horde de gargouille aussi, golem de glace très bien, pas de mauvaises cartes, et si voilà, oh, par contre ça sent la légendaire apparemment là. Et c'est la légendaire, un Zappy. Ça y est, les légendaires sont revenus dans les coffres magiques. Après 4 géants squelettes, la déception. Et tout de suite, l'ascenseur émotionnel nous renvoie avec une légendaire derrière. Donc ça, c'est plutôt bien joué de sa part. GG. Chansus est là. Chansus a été là. Alors, gang de gobelins, bélier de combat, 6 mousquetaires c'est bien, les canons, peut-il réitérer? Non, il ne réitérera pas l'exploit, néanmoins 4 princes, c'est pas mauvais, ça compense bien les 4 géants squelettes. Enfin, on a espoir sur le super coffre magique qui contenait beaucoup d'or, encore beaucoup de gangs de gobelins, la méga garon qui passera level 8, ça c'est bien joué, le bélier de combat qui est bien aussi. Le sorcier, ok, bon. Ouh là là, les mortiers, ça fait mal. Ça, c'est pas GG. Et non, il a pas toutes les épiques. Donc du coup, eh ben, il y a encore épique. Et ça sera 15 bourreaux. Par contre, ça vaut le coup, hein. Ça vaut largement une légendaire. Le bourreau, carte légendaire, moi, je dis. GG à toi, c'est un beau pack opening. Ah, c'est pas mal aussi, hein, ce qu'il a envoyé, Ghost Fighter de Fureur Nocturne. GG et salut à vous, amis du clan Fureur Nocturne, j'aime bien votre blason. Et aujourd'hui, eh ben, apparemment, eh ben, il est parti déjà avec des coffres en bois, mais il y a un beau coffre légendaire que j'ai repéré qui m'a attiré l'œil.
et on espère qu'il y aura une légendaire dedans. Hein, l'espoir, oui, non, on espère qu'il y aura deux légendaires dedans, ça serait magnifique. Un coffre double légendaire, les esprits de feu qui montent d'un cran, la pierre tombale. Golem de glace, Osef, c'est bien, et gang de gobelins, c'est bien, bon, voilà. On y va tout doux, alors qu'est-ce qu'il nous fait après? Le coffre géant, j'imagine, le coffre géant, ok, trois cartes. Ça sera les communes qui seront divisées en deux. Avec des barbares et du gang de gobelins. Bon, bah rien à signaler, hein. C'est bon à avoir vu qu'il est level 11 et qu'il a des cartes à monter apparemment. Donc le coffre épique est vachement bien quand même. Ouais, un rage. Bon, ça va, il n'y en a qu'un seul. Trois clonages, là ça commence à picoter un peu, hein. Ah, trois golems, là c'est bien. Par contre, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses ici. Et 13 poisons, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, on aurait peut-être préféré 13 golems et 3 poisons, mais c'est pas mal. Alors le coffre légendaire, que contient-il? Il contient un mineur qui est déjà... Il en avait déjà... Il avait déjà level 2, le mineur, il passera. Et il passera rien du tout, il passera son chemin, 1 sur 4, GG.